Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Fitness Park Hénin Beaumont. Ouais, et qu'est-ce qu'on va faire concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se tester sur la force, les gars. Ouais. On va servir des travaux de Rudy Koya. Team Super Physique, il a établi des paliers en fonction du poids du corps. Vous avez tous les exos, vous mettez votre poids, ça vous dit les perfs que vous devez faire pour être dans l'élite. Je crois que ça marche argent, bronze, machin, non? Ouais, ça c'est sur l'image, nous on va le faire par rapport à notre poids du corps. Et ça c'est bien, les gars, parce qu'en boxe, on a des catégories de poids, donc on sait si on est fort ou pas dans ce sport. Ouais. En musculation, si vous comparez avec votre pote qui fait plus de 20 kg de vous, c'est normal. Il n'y a pas de point de comparaison. Voilà, c'est normal qu'il pousse plus lourd que vous. Bien sûr. Donc nous, là, on va rentrer notre poids du corps dans l'application. Ça va nous établir un barème de perf à faire sur tous les exercices. Et selon notre performance, on sera soit débutant, soit intermédiaire, soit confirmé, soit élite. Évidemment, c'est des paliers qui fonctionnent quand vous avez des années de musculation. Si ça fait un an, faut pas espérer atteindre l'élite sur un exercice en général. Il y a des mecs, au bout d'un an, ils ont de sacrés perfs quand même. Ouais, mais on parle de naturel. Okay. Si on va parler naturel. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des travaux qui ont été faits sur des naturels. Donc ils ont évalué plusieurs pratiquants et ils ont fait un barème. Donc si vous voulez vous tester, vous aurez le barème en fin de vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker aussi, commenter pour aider au référencement. Il y en a, il est en train d'enculer la salle. Ma mère, frère, en bas, on a Rocky Belbito. Wow! Tu penses être dans l'élite, dans les confirmés, dans les débutants? Ça va dépendre des muscles. Je pense squat, bah, tout ce qui est pec, jambes, élite, dos. Avoir. Bro, je ne les fais pas, donc je vais t'éclater. Mais quand tu dis avoir, au minimum, quand même, j'espère que tu vas essayer d'atteindre, bon. Confirmer. Je serai confirmé. Est-ce qu'on fait un peu de promo là, dès le début de la vidéo, ou on les saoule avec ça? On peut balancer un petit peu de promo, hein. Code Fitness Fusion, Fitness Park, et code Fitness Fusion, chez Iron Mill. Voilà, c'est bon. Ah, ça fait du bien là, je suis libéré. On peut y aller, les gars. Je vais pas me faire mal pour une vidéo, c'est mort, c'est mort. Ouais, c'est fait 340 soulevé de terre. Arrêtez, moi je le fais. En fait, c'est dur d'être bon partout, tout le temps. Première étape, la pesée Pimousse. Tu penses être à combien? Entre 87 et 89, je dirais. 90, je le sais quand je les dépasse. Et là, je suis en dessous, c'est sûr. Donc là, on va rentrer combien là sur la feuille? 87. Moi, je suis souvent entre 73, 80 kilos vraiment en prise de masse hardcore. Full masse, ouais. Là, ça fait 2 mois, je mange bien. Donc je pense être à 75 en ce moment. La dernière fois qu'il a dit ça, il s'est pesé, il faisait 79. Hein, quand voilà. Je te le dis. C'est pour ça qu'on va arrêter et on va se peser aujourd'hui pour être sûr. D'accord? Allez, pèse-toi, je t'en prie. J'ai pas de balance. Si, si, t'en as une. Non, j'ai pas de balance. Ah, si, regarde. Non, j'ai pas de balance. Regarde, lève les yeux. Ok. Enlève 20 kilos avec les chaussures. Hein. Tu le prends la main? Quelle main? Non, la caméra. Non, j'ai cru que je lui prenne la main, j'allais dire, il est fou lui. Non, mais j'ai les vêtements là. T'enlèveras 500 grammes. T'es fou, il pèse 3 kilos. Allez, vas-y, vas-y, triche pas. Comment ça? 170? Ah, c'est en livres, je crois, non? Je savais que j'avais pris en masse. En ce moment, les gars, en ce moment, je prends du Broadway, j'ai pris 100 kilos de muscle pur. T'imagines? Non, c'est un LB, faut faire la conversion. 77 kilos, mon gourmand. Moins 3 kilos avec les vêtements. Ça va, hein, ça, on va dire 76. 76 kilos, fait chier quand même, hein, ça va me rajouter de la perf. Ça va encore. Je pensais faire l'épreuve à 75. Kilos, il m'a dit ça va rajouter de la perf. Et toi? Ouais, ouais, moi, va le faire un tour. Hein. Lui, il fait 110 kilos muscle sec, il veut pas le dire aux gens. Voilà pourquoi il veut pas se peser. Ça se verrait si je faisais 110 kilos. Non, je sais que c'est pas pour ça. Mais moi, j'ai envie de savoir combien tu pèses. Et moi, je déteste. Toi, tu me veux peser. Pas savoir, mais moi, je Depuis veux savoir. J'ai été gros, je ne veux plus me peser. Bah, ça me dégoûte, c'est mort. Yeux, ferme non, yeux. Non, mais ta réaction, elle va parler, donc je le ferai pas. Pèse la chaussure, pèse la chaussure. Il fait déjà 100 kilos avec un pied. Tu m'as dit entre 87 et 90. 87, 90. Tu veux pas te peser, c'est 90. Tu sais très bien comment je suis à 90, je suis très gras. Et là, je suis pas très gras. Tu veux voir? Allez, les gars, les gars, les gars, les gars. Pas à 90. www.fitnessfusion.fr. On va rentrer notre poids sur l'application et voir les perfs qu'on pourra faire. Nous, ce qui va se passer là, c'est qu'on va choisir un exercice sur chaque groupe musculaire. On choisira l'exercice qu'on veut et la perf qu'on veut. Je peux te poser une question? Qui fait 175 x 6 au coucher? Easy. Naturellement. Moi, easy. Oui, bien non, sûr. Combien? 175 x 6, naturellement, bien sûr. Tu le fais, toi? Non, 175, je fais 3 reps. Faut arrêter de déconner. Non, ça, c'est des perfs de mecs que j'ai chargés, je te le dis. Moi, je vous le dis, droit dans les yeux, le barème haut, c'est des mecs chargés. Premier exercice, tu veux commencer par les gros groupes musculaires, on finira les bras. Les épaules à la fin. Donc soit jambes, soit pec, soit dos. Je te laisse l'honneur de choisir. Je dirais dos ou pec, tu vois, au début. Moi, je suis chaud de commencer par les pecs parce que c'est peut-être plus dur pour moi. Go faire les pecs, c'est pas alors. Super dur nerveusement. Donc maintenant, on va choisir un exercice pec chacun et une perf à faire. Développé couché. Tu l'as déjà, toi? Développé couché. Développé couché, prise serrée. À la barre? À la barre, ouais. Tu fais ça pour être élite de la élite moyenne très basse. Haut, ouais. Ah ouais, à lui, il se contente pas de la moyenne basse. T'avais pas dit que t'étais fatigué, tu voulais pas niquer ta programmation? Non, je croyais que je vais niquer des mères, pas ma programmation. Ah, moi, j'ai choisi mon exercice développé couché aux haltères et je vais devoir faire pour être en élite 6 répétitions à 53 kilos. Tu les fais facile. Ouais, je pense. Facile. Donc 53 kilos, on est parti. Ouais.
Donc moyenne haute de l'élite, 160 x 6, et ça en prise serrée. Donc toi, prise serrée, ça donnerait quoi? Moi, prise serrée, ça va être ça, à peu près ici. Si je prends plus serré, j'ai mal au poignet. Moi, mon bench, normalement, je le bench comme ça. Ouais, mais prise serrée, c'est plus comme ça. C'est les coudes le long du corps. Si je prends trop serré, en fait, mes poignets, ils prennent et c'est mort. En fait, là, regarde, si je prends comme ça, je suis comme ça. Et ça m'encule les non, poignets. Non, c'est pas par rapport à l'écart des mains, c'est par rapport au placement des coudes. Les coudes longent ton buste. Là, c'est prise serrée. Ouais, moi, je suis comme ça et je fais ça. Ok, ça va. Tant que ça touche. On est parti. Pimousse de la chaîne Fitness Fusion. Arrache tout, montre. C'est moi qui décide. C'est ma force, hein, c'est pas moi, gros. Tu l'as. Pas sûr. T'as déjà fait. Plante bien tes pieds, serre les fesses, pousse dans ma direction avec tes pieds. 1, 2, 3, c'est bon. Allez. Allez, papa. Boum. 1. Allez, 2. Avec tes pieds vers moi. 3. Je suis là. Bien. 2 dernières. 2 dernières. Tu l'as. Pas touché. J'en ai plus. 5. Ah, t'as été gourmand. À une près. À une près, je suis quand même à élite bas, c'est pas grave. Ah, je suis dégoûté. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait que je suis naturel, simplement. Non, ouais. Mais je sais que les 6 reps, tu sais les faire. C'est juste en là, couché, aujourd'hui, tu les as pas fait. Non, en prise serrée, je sais pas les faire 160 x 6, jamais de la vie. Ah, j'étais sûr de 160 mon 160 x 6 couché simple, c'est mon prime. 160 x 6, ça équivaut à 185 bench. Hein. Bon, est-ce qu'on lui valide le élite ou pas? Parce que là, au final, t'as pas validé, donc je sais pas si je dois te le valider. Les gars, dites en commentaire si on lui donne le badge élite. Bon, en tout cas, t'es confirmé. Ça, c'est sûr et certain. Oui, demain, je suis confirmé. Bon, est-ce que moi, je peux valider l'élite maintenant au bench? À toi. Donc là, il doit faire 6 reps à 53 kg aux haltères. On va faire 54 parce que bon, il n'y a pas de 3, tu vois. Est-ce qu'il va les faire? J'en sais rien. Jusque-là, il n'a jamais travaillé plus de 50 et à 50, c'est laborieux déjà. Ouais, mais le problème, c'est que tu n'as pas validé en haut. Du coup, je dois représenter FF. Je vais devoir le faire là. 160 x 5. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est honorable. On n'a pas de paire d'haltères de 54. Donc on va faire. On va emboîter des haltères. Du coup, je suis encore handicapé. Déjà, on me rajoute un kilo. En plus, je suis handicapé. Déjà, qui est handicapé de naissance, ça change. Genre, pas grand chose. Je suis ton cousin. Allez, place-toi. Allez. Monte. Envoie. Garde-les bien droites, hein. Vas-y. Équilibre à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah gros, ça part à gauche comme ça. C'est pas possible de le faire comme ça. Non, faut que tu mettes 3 kilos et je prenne 50. Tentative numéro 2, la première qui a été un échec cuisant. T'es pas on un va échec. Essayer avec des 4 kilos. Bah c'était mal mis en fait et ça a foutu la merde. On a pas le matériel adéquat. Ouais, je vais juste les tenir comme on peut. Bon, c'est pas trop triché. C'est un peu triché mais c'est light. On a pris 4 pour compenser le fait que je mette mes doigts. Je suis déjà fatigué, je l'ai pas sur encore les haltères mes doigts. Ah mais solide. Je préfère que des manières pour 50 kilos. Hein. Je trouve ça très grave quand même. Faut pas que tu bouges là. Vas-y. Pousse. Fais pas semblant là. Allez. Et 6. Tu m'as baisé toute ma motivation. Pimousse, pour lui, 54 kilos, c'est facile. Y a rien. Il m'a dit, il fait des manières pour 54 kilos. Je te jure, j'ai entendu ça, j'avais envie de poser les haltères et arrêter la muscu. Bah, c'est des manières, gros. C'est lourd. C'est des manières. Moi, je suis là derrière lui. Vas-y, Pimousse, t'es l'homme fort de la chaîne. Tu m'as dit, il fait des manières pour 54 kilos. Tu suis pas TikTok, tout le monde fait 70 dans le fit game maintenant. Ouais, mais tout le monde s'injecte. C'était lourd, mais j'ai le niveau. Élite. Alors. On passe à quoi? Moi je suis sur du rowing là. Non, attends, motivation. On passe. Quelle à... motivation? Là ils sont là, ils sont. Il me fait faire des PR, motivation. On passe à quoi? Je vais gifler, Joanie. On passe à quoi? À du rowing bar, j'ai 145 fois 6 à faire. Et t'es élite? Je suis élite plus. Élite plus? Ouais. Ben ça me paraît pas si haut que ça, 145. En fait, c'est quand j'ai vu le rowing, je me suis dit putain, ça me paraît pas si haut ouais, que mais ça. Le truc, c'est chanter. Il faut pas te baiser la santé, tu vois, si tu te je blesses. Vais m'enculer, je vais me blesser. Ah ouais. Vaut mieux prendre la moyenne basse. La moyenne basse, bouge. J'ai pas ton temps, moi là, je vais m'échauffer, d'accord? Là, c'est ta perf? On va prendre la moyenne basse. Rowing buste penché pour Pimousse. Il vise la moyenne basse élite. Bon, que ça soit moyenne basse, moyenne haute, t'es élite quoi qu'il arrive. 122,5 x 6. Easy. On a
avais encore quelques-unes. Bah ouais, hein. Jus. Franchement, j'en avais encore quelques-unes. Hein. C'est facile. Je faisais une série de 12. Hein. T'as vu, je t'ai dit, c'est pas des charges de chargé. On va appeler Plimoussagan maintenant. Non, mais je t'ai dit, c'est des trucs qui sont réalisables. Sur certains exos, oui. Il y a d'autres exos, c'est du foutage. C'est de même gueule. Pas ça, c'est juste qu'on peut pas être bon partout. Mais tu verras que tu vas réussir à avoir le niveau élite pratiquement partout. Okay. Et confirmé sûr. 87 kilos, c'est bon pour, on est d'accord. Ouais. Soulevé de terre, le PR Elite Max, c'est 340. Ouais, je qui le fais. Qui fait 340 moi au soulevé de terre. Arrêtez, moi je le fais. Non, moi j'en connais un qui le fait. On n'a pas le recul nécessaire. Peut-être. Si, j'ai le recul. Peut-être qu'il y a des mecs qui sont capables de le faire. Oui, ils s'injectent en cachette. Il y a des chargés dans l'eau. C'est tout. Je pense qu'il y a un nati, le 1%, qui peut arriver à faire des grosses perfs comme ça. Pimous, je choisis la 1RM à 200 kg, moyenne basse confirmée. Bien fait. Et si je me sens chaud, je vais chercher les 222 pour avoir la moyenne haute confirmée. C'est raisonnable. Bon là, je joue ma place sur le confirmé bas. Avec une ceinture qui... Là, tu mets rien, c'est pareil. Ouais, voilà. Tu mets rien, c'est pareil. Hein. Non, en vrai, là, le scratch, il va sauter. Hein. Non, mentalement, ça t'aide. Allez. T'es prêt? Un de ces deux scratchs. Je te l'ai dit. Allez, gros. Facile. Tu vas aller chercher les devins. Les devins, ils vont être durs aussi. Je pense que tu peux y aller. Ça va être très dur. Là, ça fait 10 minutes, je pense, à ne pas la faire parce que j'ai peur de me blesser, les gars. Regardez bien sa tête, s'il vous plaît, sur la vidéo. Je vous en supplie. Ah. Si tu l'as pas, c'est moi qui paye ta prochaine cure. Allez. Préparez-vous, à tout moment, je m'évanouis. Hein. Allez, ça va te faire bizarre au début, tu le sais, ça va bloquer et après ça monte. Allez, te laisse pas surprendre. Ah, j'ai peur de m'évanouir. Te laisse pas surprendre, je suis là. Réfléchis pas. Tire, ça monte. Ah, j'y crois pas. Dommage. Reste pas là-dessus, balance mon litre à 220 avec le CG. Il y a du monde qui te regarde. Allez, vas-y, joue. Allez, passez. Perf de Pimous pour valider le niveau confirmé bas sur les jambes. 180 kilos. Je serais allé chercher un bon 220 si j'étais pas blessé au dos, mais là je suis obligé de mettre un disque plus ma blessure au dos. Allez cousin, fort. Prends ton souffle, bien gainé et pousse fort sur les talons. Inspire, boum, explose les coudes. Bien. Elle monte facile, je te l'ai dit, facile, je l'ai. Hein. Mais j'irai pas plus haut parce que ça m'a tiré dans le dos déjà, tu vois. Ça va, c'était bien. Je l'ai senti qu'elle pouvait monter. J'ai même bloqué en bas pour faire Zama un peu. Quand il se m'a parlé arabe, c'est vraiment qui était facile. Hein. Ouais, non, franchement, ça va, c'était easy. Mais par contre, je le sens qu'avec le disque, ça complique encore un peu la chose. Hein. Moi, si je travaille de la force au squat, tu veux savoir? T'as 2,20, ouais. Je les ai déjà. Mon PR all time, c'est 2,30. Je pense que je peux aller chercher 2,40, 2,45, mais j'irai pas plus haut. En fait, c'est dur d'être bon partout, tout le temps. Bon, c'est parti. Rowing, 90 degrés, buste penché. Là, j'essaie de me rattraper. 6RM. Je vise Elite Hot. Pour l'instant, je suis pas moi, encore je pense dans que l'élite. Tu les as. Je t'ai déjà vu faire du rowing et je pense que tu les as. 125, j'ai jamais fait. Je m'arrête toujours à 100. Moi, je pense que tu les as. Moi, je travaille à 90 en temps normal et je les ai pris les 125. Donc, allez. Il les a. Facile. Il y en a même plus. Oui, il y en a même plus. Allez, c'est par contre, j'aurais dû mettre un step. Je touchais. Rien de bien difficile, ça va. Ah, c'est propre. Je rattrape mon terre, je suis content. C'est validé, c'est propre. On fera la moyenne de tout ce qu'on a validé en fin de vidéo, les gars. Là, vous voyez, il n'y a plus trop de fun. Hein. On commence à avoir la tête dans les nuages. Pimous, toi, tu passes à quoi? Barre au front, non triché. Parce que tu peux tricher apparemment quand t'es allongé en barre au front. Ouais, en gros, t'envoies pas les coudes. Mais... Coude fixe. Bah ouais, barre au front, sinon c'est du magic triceps. C'est exactement pas la même chose. Donc là, tu serais sur quel barème? 62 pour l'élite haute basse. Okay. Et l'élite haute, c'était pas 74. Possible. 74. Il y a quand même un gap de 12, donc je préfère sécuriser déjà l'élite basse. Et t'essayes après derrière. C'est beaucoup. T'essayes 74, je pense que je vais tester si c'est facile. Allez, Pimous. Allez, envoie. Coup de fixe. Là, tu fais un press. La barre, elle doit être derrière. Pourquoi j'ai une crampe à ma gorge? Voilà, là, c'est plus propre. Là, c'est un bar au front. Allez, encore. Ça fait 6, encore de quoi? Ah, pardon. Il croit que je faisais une série. J'avais pas vu. Il croit que je travaille les triceps.
Et la vie de ma mère pendant la série, j'ai attrapé une crampe là à ma gorge. On en reste là. Il y a un muscle ici. Ouais, on va en rester là, je pense que c'était une belle perf. Bon, Pimous, moi mon problème c'est que je suis gourmand. J'avais remarqué. J'étais élite basse si je faisais 34 kilos pour tirer. 34. Ouais. C'est vois, du jus, tu les fumes 34. Et je vais tenter les 42 x 6. Moi, faut m'expliquer. Élite haute. Comment on passe d'élite basse à 34 à élite haute à 42? Il y a un gap. Attends, je vérifie. Je vérifie pour pas dire de bêtises. 35, ouais, c'était ça. Du coup, j'ai pas choisi la facilité, mais j'espère que je vais le passer. Lance avec tes genoux. Ouais. Vas-y, lance. Lance. Voilà, t'as pas besoin de moi, regarde, ça monte. Easy. Nickel. Une. Deux. Tu vas aller chercher, je t'encule, sinon. Allez. Allez, là, qu'est-ce que tu me fais? Monte, monte, ouais, j'arrête, conne. Descends pas aussi, va. Monte. 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 Bon, je t'aide à la valider, mais c'est pas validé. C'est pas validé. T'es fou, je suis KO. T'as vu ce qu'on a fait avant? Ça, tu l'es pas, c'est un temps normal. Ah ouais, je suis mort là. C'est tout, je prends 35 et j'en fais 6. Aide-moi sur la première. On la compte pas, mais. Intérêt de pousser ta race, hein. Moi, je fais pas de cœur là. Je te jure, j'ai plus de force. Allez. Allez. Voilà, je peux pas t'aider plus. Voilà. Descends pas trop bas, voilà. 3. C'est du jus. C'est du jus. Facile, allez. Encore une. Et 6. 7, allez, je crois pas. La première, tu m'as aidé. Ah, je l'ai pas compté la première. T'en as fait 7 là. Ah ouais. Ok. Ça va? Bah, un peu déçu, élite basse. Mais c'est validé. On passe à la suite. Je vais pas me faire mal pour une vidéo, c'est mort. Là, j'ai senti vraiment ça a tiré pour du vrai. Ça m'a fait bizarre. Wesh, j'étais parti pour faire 5 reps, ma bite, ouais. Je vais mettre derrière. Tu vas te mettre soulever. Derrière pour m'aider. Vas-y, tu vas m'aider à la prendre et je vais voir ce que ça dit si tu m'aides. T'es prêt? Allez, 1. 1, 2, 3. Voilà, nickel. Vas-y, laisse. Une. Faut pas te cramer. Non, c'est la descente qui m'encule. Sinon, tu fais élévation fais latérale chier. À 8 kilos. Il y a des élévations latérales dans les perfs? À 8 kilos par rapport à ton poids du corps, tu serais niveau intermédiaire. Il y a pas d'élévation latérale? Non, il y a pas, il y a pas. Bah, va te faire foutre, tu m'as fait des faux espoirs. J'étais trop chaud de le faire. Mais sinon, valide juste intermédiaire, cousin. Comme ça, moi, je passe devant toi. Mes perfs au développé militaire alter, normalement, c'était 49 x 6. Alors que je m'entraîne à 50 au militaire, donc c'était du jus. Celui-là, je peux pas le faire. Mais je vais quand même valider une perf simple pour dire d'avoir validé quelque chose. Mais je suis blessé, c'est mort là. Je peux faire 64 x 6, je pense que ça me tirera pas. 64 x 6, je suis intermédiaire, tu te rends compte? On a fait plein d'exercices avant. Non, c'est parce que je suis blessé, gros. Pimous, pour une grosse perf, il vise le niveau intermédiaire. Vous allez voir que ça va voler. Hein. C'est juste que je peux pas mettre plus lourd. Allez, ça allez, allez, allez. Je pense qu'ils ont compris maintenant. Je vais voir, vous en faire 12 hein, si vous voulez, j'en fais 12 à ce poids-là, pas de problème. Ils le vivent pas, mais je pense qu'ils sont conscients de ce qu'il y a en train de se passer là. Ça me casse les couilles là. On a fait que des gros exos, allez. Que des grosses perfs. 1, 2, 3, voilà, les épées, on dirait qu'il n'y a pas de barre. Ridicule, du jus. Tu veux que je m'assoie dessus? Waouh, grosse performance, dis-moi, Joanie. Waouh, waouh. C'est bien, t'as un bon wow. Niveau. Allez, 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 c'est bon. Niveau intermédiaire. Dès que je mets plus, ça tire dans l'épaule. Je le refais. La vie, je vais le refaire, je vais le mettre sur Instagram Fitness Fusion Story. Je vais montrer que je valide normalement. Donc venez nous suivre sur Instagram pour montrer qu'on n'est pas des chiennes. On pourra retenter en story, mais ouais. Quand on fait que les pecs par exemple. Voilà. T'es prêt? Non, je vais mourir. Si, t'es prêt. 64 kilos, 6 répétitions, barre au front pour élite plus, c'est ça? Ouais. Ok, t'es prêt? Jamais faire. Attends. Porte là. Ah bah là, c'est bon, de toute façon, là, il n'y a plus le choix. Ça va te surprendre, hein. Fais attention, vas-y. Assure-moi derrière, tu mets tes mains en protection quand même. Je les aurais pas. Je le sais. Pause. Ok, on passe sur élite basse. Je te l'avais dit, gros. Hein. Bah, je le sais. Moi, 64, gros. Ça m'a surpris tout à l'heure. J'ai jamais fait 64. Je m'arrête à 55 à l'EMAC. J'en fais même pas de cet exercice, s'il te plaît. Et c'est pas une petite perf, là. Élite basse, je suis pas sûr de la faire. T'es prêt? Tiens-la bien. Yeah, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. Je vais mettre là. Tu l'as facile. Ouais. Tout ça. Yoppa. Ça fait plaisir. Élite quand même. Tu peux me checker, cousin. Tu peux te faire de moi quand même. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est propre. Yes. J'avais peur de pas la faire. Hein. Ta perf, c'est combien de kilos là? 56. 56 pour 6 reps. En curl inversé. Curl inversé. Pas facile à la barre droite. Élite plus. Bah vas-y, montre. Je l'ai fait longtemps, j'ai mis en pause, mais je sais que j'en ai déjà fait beaucoup. On va essayer de pas trop tricher, sinon ils vont te casser les couilles. Inch'Allah. Je m'en bats les couilles. Faites des commentaires, insultez-moi, comme ça fait du référencement. Et même si vous voulez pas nous insulter, juste vous écrivez référencement, ça fait plaisir. Parfait, là c'est propre. Voilà, tu me fais 3. Encore 3, c'est du jus. Élite plus. C'est élite plus ça. Hey Rudy. Hey Rudy.
C'est quoi frère, il fait faire à décharger et des merguez en même temps? Non, c'est juste que ça, j'ai beaucoup travaillé. Combien de kilos? Élite basse, 25 kilos, on n'a pas, j'ai pris 24. C'est parti, 25 élite basse, 24 du coup. Allez. Non, ça va. Deux. Ça va plus. 4, va les chercher, reste 2, fais pas le con. 5, fais pas le con. Et 6. Nickel. Pas facile. Élite basse. On est bien. Fin. Ouais, on va faire la moyenne de toutes les paires qu'on a faites. Un petit débrief de ce qu'on a pensé de tout ça. Et on se retrouve en où les gars? T'en as pensé quoi là? C'est une des pires vidéos qu'on a fait. Intensité, on a dit que c'était plus intense que le jeu de loi. Et le jeu de loi, vous savez comme c'est intense. Là, je rentre, je dors. Hein. Ah, mais là, moi, repos demain. Ah, mais je comptais pas m'entraîner. Ah, mais là, il y a Agadir bientôt. Semaine prochaine, vous allez voir normalement un vlog où on est avec Body Time à Agadir. Vous devez s'entraîner tous les jours pour être prêt physiquement. Là, demain, c'est repos. On dit ce qu'on en pense des paliers et tout ou pas? Moi, je pense que c'est accessible. Moi, je pense que c'est de la merde. Vous dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, on peut pas être bon partout. Donc, c'est normal que si on n'est pas élite plus partout, mais au final, on a quand même des bons résultats. Moi, je suis désolé, à partir du moment où sur du curl incliné, pour être élite plus, je dois faire genre 36-38, alors qu'en curl inversé, je suis seulement à 56, un truc comme ça. C'est déjà, il y a un problème au niveau des paliers. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, tu peux pas être élite plus partout. Là, par rapport à tes résultats, ça concorde avec ton niveau de muscle. Je pense qu'au curl inversé et au curl incliné, il y a une si grosse différence, alors que c'est le même muscle qui travaille. C'est le même muscle, mais c'est pas un prise. Je sais très bien que c'est plus dur inversé. C'est du foutage de gueule quand même, il y a un gros problème. Du coup, on va voir tes résultats. Je veux dire combien t'as eu d'élite plus, élite moins, confirmé, intermédiaire, débutant, t'en as eu pas mal. J'ai eu 3 élites basses, 1 élite haut, confirmé basse, ça c'était pour les jambes. Parce que attends, 3 élites basses. Ouais, 1 élite haut. 1 élite haut. Un confirmé bas et un intermédiaire bas. Squat, j'ai pas voulu mettre. Et militaire blessé, donc forcément. Non, il y a un gros problème. Déjà parce que tu peux pas cumuler tous les exos comme ça sur une séance. On est d'accord. C'est plus dû à ça, nos résultats. Si demain on vient, on fait que les pecs, après-demain on vient, on fait que le dos. Là, je sais qu'on va être dans élite moins minimum partout. 2 jours de repos complet, plus les jambes sans courbature, je te l'ai fait tes 2,30. Mais pour YouTube, on voulait que ça soit impressionnant, on a tout fait d'un coup. Ne faites pas ça chez vous, on est des professionnels. De toute façon, vous allez abandonner en cours de route si vous essayez. Mais tentez quand même sur une séance de vous tester pour voir où vous en êtes et dites-nous vos perfs en commentaire. Et toi, ça donne quoi tes notes là au lieu de raconter ta vie? À défaut d'avoir des bonnes notes à l'école, on a quelques bonnes notes au moins en muscu quoi. Et j'ai des très bonnes notes les gars. Donc j'ai 2 élites plus, 3 élites moins et 1 confirmé moins. Donc je pense que ça fait une très bonne moyenne de élites moins. Sûr. Qui tire un peu vers l'élite plus quand même. C'est pas mal. Je suis content, vraiment je suis content. Sur une séance, c'est vraiment pas mal. Donc on a fait honneur à Rudy sur cette vidéo parce qu'il y a des nouveaux gars qui se mettent à la musculation et qui connaissent pas du tout. N'hésitez pas à aller checker son travail. Il y a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés, mais il fait 200 vues et tout. Mais son travail, il est de qualité, les gars. Il y a des bons conseils, des bonnes connaissances, donc allez voir. Mais par contre, la finalité, c'est que si vous voulez vous repérer niveau force, prenez pas ces paliers-là. Comparez-vous à vous quand vous avez commencé et à vos performances actuelles, c'est tout. Il n'y a rien de mieux que se comparer à soi-même. Voilà. Si vous voulez un corps esthétique, meilleur rapport masse sèche, faut se comparer à vous-même et faut être aidé aussi par des professionnels et il y a tout ce que vous voulez sur fitnessfusion.fr. C'est vrai. Je suis bon en pub avec ou pas? Le code promo petite bite 10. Voilà, je le fais. Voilà, je le fais. Combien de pourcents de réduction? 10, allez. 10% avec le code petite bite. S'ils veulent les 10%, il va falloir faire un effort. C'est ici, les gars, c'est noté. Donc pendant 48 heures, c'est disponible sur le site internet. N'hésitez pas à aller. Il y a aussi Broadway. Vous avez moins 10% avec le code fusion 10. La protéine est disponible. Pétez-moi ouais, tout ça. C'est vrai. Si vous voulez faire des perfs comme on a fait, merci d'avoir regardé la vidéo entière. C'était Fitness Fusion Force. Et ronfler. Il y a plus de sun, c'est ronfler là. Tu sais quoi? On va se reposer à la semaine prochaine. Je vais bien dormir là.